Presbytère Notre-Dame de la Victoire, et bien toute l'équipe d'organisation de Saint-Raphaël, dont Hugues Mathieu en tête, vous souhaite la bienvenue sur cette colline ensoleillée en ce jour de commémoration du 11 novembre. À qui on va souhaiter donc le moins de travail, le moins d'activité possible. Dossard rouge, le 12 km. Dossard bleu, le 4 km et demi. Salut les robustes sportifs. Benjamin Broliot, troisième du marathon d'Ajaccio. Allez, et puis les vétérans qui se retrouvent. Alain Gambier de Grasse. Qu'est-ce que vous disiez, monsieur, là, en tant que vétéran? Ben, je disais qu'à mon âge, on peut encore courir et continuer. Surtout bon pas. Voilà. Combien d'entraînements par semaine à plus de 70 ans? Bon, deux, trois entraînements, pas plus. Mais ça monte à grâce. Nous avons également parmi les partants du club courir Philippe Lecaux, Gérard Lopez également, ancien champion interrégional de cross au 12 km de ce massif, déjà pour la photo, déjà pour se réchauffer là avec le cœur sur la zone de départ pour les informations du parcours et le départ. Match en perspective donc avec Hakim Ziyali, vainqueur très dernièrement. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui chaque année sont très fidèles. Je sais qu'il y en a qui ont fait la course déjà plus de 10 fois sur 16. Bienvenue à tous ceux-là, merci pour votre fidélité. Celui qui nous accompagne, bien sûr, pour nous, c'est Dieu. Alors, je ne sais pas si Dieu est un grand sportif, mais en tout cas, il vous donne des ailes et des ailes pour arriver jusqu'au départ. Allez, c'est parti pour un imposant peloton sur ce 12 km. Allez, on va rouler 12 km. Allez, accrochez-vous, faites du plaisir, vous êtes venus. De cette 16e édition, la course de paroisse, dont Hugues Mathieu. Alors, c'est parti pour un parcours qui est plus court et qui est plus technique. C'est plus de mérite que ceux du 12 km qui prennent la place du chemin. Donc, dans l'endroit que vous allez prendre, surtout la remontée là. Donc, s'il vous plaît, faites attention, regardez les pieds et vous allez rejoindre le 12 km où ils vont vous rejoindre, ça dépend. Au rythme de votre course. Ouais. Allez, c'est parti pour le plaisir. En musique, attention, on va continuer à faire. Et voilà maintenant, 18 minutes et 30 secondes que le départ a été donné. La tête à 15e, soit avec Stéphane Non, mais c'est prenez la 5 catégorie au foulée Hermès. Stop. 16 minutes et 17 secondes pour Guillaume Gargis. Bonjour, bon courage. 352.
je crois, au premier kill, il y avait un mec qui était devant nous. Ouais. Je fais, t'es crampé, Pilou. Je suis. Allez, à la deuxième place, on va attendre l'arrivée. Troisième place pour Tony Scalèche. Ah, tu vas bien? Tu vas bien? Tony, dont la fille Aloïs a gagné brillamment à la course des enfants tout à l'heure. Et là voilà, Aloïs Gambana en 9, où elles avaient terminé première et troisième. À la troisième place cette année, la Vancolaise des Alpes-Maritimes. Ah. Fanny Scalès. De ton côté, 7e ou 8e, c'est ça? Oui, pour les autres, ça vous arrive. Alors, est-ce que dans cette course, vous qui êtes pur sudiste, en dessous, cette course qui est organisée par des paroissiens, est-ce que vous avez... De Proa de handball, de première division, et son club de Proa de... Alors, je tiens à préciser, parce que certains nous reprochent de faire les résultats trop tard. Il y a deux raisons. D'abord, on n'est pas des professionnels, donc on ne réagit peut-être pas aussi vite que des professionnels. Ensuite, si on fait les podiums directement là-haut, vous avez vu qu'il fait nuit très tôt, ça voudrait dire qu'on ne fait pas d'apéritif, pas de tombola, enfin, on enlève tout le côté convivial que l'on veut garder absolument dans notre course des paroisses. Alors le troisième garçon qui est arrivé, il s'agit de Tom Bataillou. Ah, Tom Bataillou, il est là. La première fille est quatrième au classement général. Donc c'est pas mal. Il s'agit de Aloïs Scalès. Bravo. Voilà, première fille, quatrième au classement général. Plein de petits cadeaux dans le sac, tu verras, c'est génial.